Donc moi c'est Antoine Sanger. Je fais de la photo depuis secondaire 2. J'en fais tout le temps. Je prends mes inspirations vraiment de partout. Beaucoup de l'histoire. J'aime l'histoire. Des livres photographiques. Et surtout la vie urbaine. Graffiti, skate, musique, la nuit. Beaucoup de nuit m'inspire. Mes amis, ouais, les films m'inspirent beaucoup. La manière de faire les choses dans le temps. Ce que je trouve bien en fait de la photo argentique, c'est la limite sur le nombre de photos. Faut que tu penses, là, faut que tu précises ta composition. T'as un rush là, de dopamine là, quand tu vois le film te faire développer, puis là t'attends, puis au pire là tu reçois la email. Là, yo mon gars, l'émotion que tu ressens en ce moment-là. Si tu prends des photos que t'es pas satisfaite avec, ça va juste te motiver encore plus à aller prendre d'autres photos. Là. La photo numérique, ça enlève tellement d'importance à la photo. Ces jours-ci, surtout dans le monde qu'on vit, là, les réseaux, tu défiles, scroll, picture, picture, picture. Chaque image, là, c'est rendu juste banal. Là. Tandis que, avec l'argentique, moi, je vais savoir que cette image-là, c'était vraiment sur un morceau de papier qui réagit à la lumière d'une façon spécifique. Puis qu'après ça, ouais, tu peux garder, c'est physique, là. C'est ça qui est nice, là, c'est que c'est vraiment physique, tu peux le sentir, tu peux le faire, tu vois la texture. Moi, mon nom, c'est Mika Pluvios. Je connais Antoine depuis qu'on est en troisième année, donc ça va faire 10 ans. Dans son art, il est vraiment toujours dans le dépassement de lui-même, j'ai l'impression, il est toujours dans essayer des nouvelles choses. Il ne veut jamais se contenter d'une chose puis de dire « ok, je suis bon avec ça ». Puis ça se voit, je trouve, dans ses photos en elle-même. Tu sais, ça qui est vraiment dans le détail, la minutiosité, essayer des, tu sais, toutes sortes de lumières, toutes sortes de films différents, de caméras différentes. Donc je trouve que c'est vraiment inspirant sa démarche. J'aime voir son style évoluer. C'est d'ailleurs une des personnes qui m'a vraiment le plus donné envie de faire de la photo. Il veut toujours voir grand, essayer des projets, que ce soit des projections ben, affichées de ses photos à différents endroits. Je pense qu'il va essayer de trouver des manières que les gens n'ont pas pensé de montrer son art. Et ben, tu sais, d'après moi, ça, il va continuer à faire des magnifiques photos qui évoquent des sentiments forts. Ce que j'aime dans être modèle pour les photos d'Antoine, c'est que c'est vraiment comme... Tu vois qu'il prend vraiment son temps, qu'il veut faire étape par étape, que ce soit cadrer la photo, ensuite quelle lumière utiliser pour la photo, ensuite comment la personne est placée. Il prend vraiment son temps pour faire bien les choses, pour avoir exactement la vision qu'il espère atteindre. C'est inspirant à la fois, mais c'est aussi quand même agréable d'être pris en photo par Antoine pour elle.